cherche l'amour. Même à ma Halloween, on a le droit de trouver l'amour, de trouver un beau garçon, une belle demoiselle, ou un monstre, oulala. Alors, vous voulez des Dracula, des loups-garous, des vampires, des sorcières, et j'en passe? Eh ben, peut-être qu'il y en aura dans l'émission. Ah oui, les filles, allez, on l'envoie du lourd, tout de suite. On commence avec un super beau gosse, il s'appelle DJ Satanique. Alors, il a 36 ans, il serait né le 6e jour du 6e mois de la 6e année. Ouh! Certains disent qu'il serait le fils caché du gardien des portes de l'enfer. Et oui, spécialiste du double scratch, DJ Satanique fait des mix démoniaques. Donc, mesdames, vous souhaitez saigner des oreilles? DJ Satanique va remixer vos tympans, votre cerveau et même votre âme. Ouh, contactez-le tous les soirs. Enfin, les soirs de pleine lune, surtout sur chatentredémons.com. Ça fait peur, les amis. Eh oui, allez, on va s'occuper des mecs, là, maintenant. Parce que les mecs aussi cherchent l'amour. Alors, je vais vous présenter une belle demoiselle. Elle s'appelle Diabolina. C'est une sublime suédoise de 22 ans. Mais méfiez-vous de son sourire charmeur, car c'est une psychopathe multirécidiviste, les amis. Voilà l'étalage. Braquage, braconnage, ramonnage et même des tortures du Moyen-Âge. Mais elle cherche quand même l'amour. Eh oui, attention, hein, elle recherche un homme, un vrai, un dur, pas un tout mou. Eh oui, parce que elle est sortie déjà avec le Joker, avec Batman, et puis ils n'ont pas réussi à canaliser son énergie psychiatrique. Alors les mecs, tentez votre chance. Envoyez votre lettre d'amour à Diabolina, hôpital psychiatrique de Bretagne, 56666, la Guerche. Elle est célibataire. J'ai encore une jolie demoiselle pour vous. Eh oui, elle s'appelle Mireille. Et Mireille, elle a 27 ans. Cette fille de clown adore faire la fête. C'est la reine de la nuit. Les blagounettes, les farces attrapes, les coussins qui pètent. Rien n'arrête Mireille, qui d'ailleurs a créé son site mireilletereveille.com. Hurlement, coup de couteau, vous ne serez plus en retard au boulot, les amis. C'est super pratique. Et Mireille, elle a également les enfants. Je dirais même qu'elle adore les enfants. Elle en mange deux tous les matins. Alors, c'est pour ça que Mireille a toujours la pêche au fond de son filet. Donc contactez Mireille sur adopteunclownquifaitpeur.com. Alors, les célibataires, vous cherchez encore l'amour? Je vous en propose encore un dernier, parce que c'est vous et parce que c'est Halloween. Je vous présente Lucie. Lucie Trouille. Vous ne verrez pas son visage, mais sachez qu'elle cache deux belles paires de citrouilles sous son t-shirt. Et oui, de la citrouille de compétition, puisque Lucie est dresseuse de potiron. La passion du Cucurbita Maxima lui a été transmise par son papa, passionné de grosses bouboules. Donc, Lucie fait son élevage de potirons, qui ne sont pas si petits que ça, les garçons. Hein, Lucie Trouille vous attend à Malocin ou Saint-Malo, hein, c'est comme tu veux. C'est près de la ferme de son grand-père, hein, avec son chapeau et sa paire. Sa paire de citrouilles. Ouh. Eh oui, les amis, voilà, c'était tout ce qu'il y avait de bon en ce moment en Bretagne pour l'Halloween. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté des cimetières. Peut-être que vous rencontrerez l'âme sœur.